Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit exemple de ce que vous pouvez faire comme potager, enfin comme semi-potager entre guillemets, dans un appart. Alors là, vous voyez les pommes de terre qui ont déjà germé. Ça c'est pommes de terre de raclette, hein, c'est la saison. Donc, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dans ce sous-là, des pommes de terre germées, qui avaient déjà germé, on a mis du terreau, et voilà. Et ça pousse extrêmement vite, mais alors vraiment très vite. On va voir, alors c'est un essai, c'est pas forcément dit que ça marche, c'est pas forcément dit que ça va donner quelque chose, mais enfin, l'important c'est d'essayer. Et ici nous avons dans notre pack pour les serres, on a donc mis plusieurs choses. Alors, on a des tomates, on a refait des tomates. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Là, on a du persil. Bon, il commence vraiment à venir. On voit ici. Hein. Ici, là. C'est pas trop mal. Et ici, nous avons du basilic. Il commence vraiment à bien pousser. Voilà. Ici, on a encore des tomates. Bon, c'est des tomates qu'on a répliquées, qui n'est pas très jolie. Bon, là, bon, c'est moyen, là, quelques-unes qui ont survécu, mais pas beaucoup. Mais voilà. Et ensuite, derrière, nous avons de la salade. La salade qui a bien poussé aussi. Donc, concrètement, il y a des choses qui sont possibles. Alors évidemment, quand c'est en semi, ça prend un petit peu de place quand même, je pense que vous faites. Et une fois que c'est ça doit être en mer, machin, dans les jardinières, ça peut prendre effectivement de la place. Mais il y a des choses qui sont faisables. Maintenant, par exemple, en Angleterre, je ne sais absolument pas quelle proportion de place ça va prendre. Je ne sais pas du tout. L'idéal, c'est d'avoir un terrain, d'avoir un jardin, voilà, bref. Mais là, c'est aussi, bon, déjà, on va essayer. Deuxièmement, c'est pour aussi vous montrer que c'est faisable, que ça peut marcher. Après, en grand, comment dire, une fois que ça prend la bonne proportion pour faire légumes et tout ça, est-ce que ça tient? Est-ce que c'est assez grand ou pas? Ça, j'en sais rien. Mais pour dire, c'est en essayant, c'est en faisant, on apprend, c'est en faisant, on veut dire, bah voilà, ça a marché, ça n'a pas marché. Voilà. C'est tout bête, mais ça peut totalement être efficace. Pourquoi? Parce que si on n'essaye pas, on ne sait pas. Tout bêtement. Voilà, ça c'est une petite vidéo tout bête, et voilà. Mais concrètement, c'est tout basique. Il faut essayer pour savoir. Donc voilà, je vous laisse mes amis et je vous dis à la prochaine.